Bienvenue, mesdames et messieurs. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple, Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à 685 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du royaume, annonce le ministère de la Justice dans un communiqué. Ainsi, 4831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans les affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la grâce, ont été libérées. Cette haute sollicitude royale permettra aux bénéficiaires de cette grâce de s'intégrer dans la nouvelle stratégie dans laquelle se sont engagées les provinces concernées suite à la création de l'Agence nationale de réglementation des activités. Justement, mesdames et messieurs, pour plus d'éclaircissements, nous sommes avec Zakaria Aboudahab, professeur en relations internationales. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir, merci. Alors, quelques 4831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis ont été graciées par le souverain. Quelle lecture faites-vous donc de cette décision et quels sont, selon vous, son contexte ? Évidemment, d'abord, ça renseigne sur l'approche humaniste de Sa Majesté le Roi, qui nous a toujours habitués à sa clémence et également son approche prospective. Évidemment, il s'agit ici de souligner un aspect important, c'est que le Maroc est dans un processus, on va dire, de transition, de transformation, de ce qui était auparavant considéré comme étant des activités illégales. Aujourd'hui, ces activités vont être intégrées, vous l'avez si bien dit, et cela ressort des missions assignées à l'agence de réglementation précisément des activités liées à l'usage du cannabis. C'est un processus de transformation qui va tout simplement aider à reconvertir les personnes qui ont été auparavant condamnées à des activités ou dans des activités légales dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler l'économie formelle cette fois-ci. Et je crois que ça dénote d'une transformation profonde du tissu socio-productif de ces régions-là, notamment le côté septentrional du RIF. Et on le sait, traditionnellement, beaucoup d'affaires ont été liées à des questions s'y rapportant. Alors aujourd'hui, il s'agit d'abord de fêter la veille d'une activité ou d'un événement majeur pour les Marocains, c'est la révolution du roi et du peuple. Et donc ça en dit long sur ce grand jihad que ne cesse de réclamer Sa Majesté. Et donc finalement aujourd'hui, si on voudrait un peu lire de façon stratégique la décision royale, donc de grâce attribuée à ces personnes-là, aujourd'hui on pourrait dire qu'il s'agit véritablement d'une véritable révolution transformatrice qui va, je le crois fort bien, injecter davantage de valeur ajoutée au niveau des régions qui auparavant peut-être ont été délaissées, mais aujourd'hui on touche, on palpe du doigt véritablement des processus annonciateurs de transformation très positifs pour ces régions-là. Et justement, professeur, quel est donc l'impact aussi, selon vous, socio-économique d'une telle initiative suite à la création de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, cette haute sollicitude royale également, qui est censée permettre aux bénéficiaires de cette grâce de s'intégrer dans la nouvelle stratégie du royaume? Je crois qu'il y a deux aspects essentiels. Le premier aspect, il est strictement interne, lié d'abord à une sorte de maturité de la part des Marocains qui vont considérer qu'en réalité, il faudrait tirer profit des vertus, notamment thérapeutiques, de l'usage du cannabis. Cela est le premier point. Évidemment, dans le communiqué royal, justement lié à la grâce royale, il est question de davantage mettre en valeur les implications ou les conséquences ou les incidences positives de l'usage du cannabis, évidemment, selon des activités licites cette fois-ci, sur le plan pharmaceutique, c'est-à-dire médical, et sur le plan médical précisément, et sur le plan industriel. Il y a des activités d'import, il y a des activités d'export, et le Maroc voudrait, de ce point de vue, et là j'établis la jonction entre l'aspect interlié plutôt à l'économie sociale, si on pourrait utiliser cette expression, si on revient précisément aux fonctions attribuées à l'agence que vous avez citée, qui a été créée en 2021 et qui, depuis cette date, avait délivré des autorisations pour précisément permettre la production du cannabis, cette fois-ci à des fins licites. Le côté international va d'abord permettre au Maroc d'être davantage en conformité avec les conventions
internationales qu'il a ratifiées. Premièrement, au regard de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Puis deuxièmement, il y a des conventions comme la Convention internationale contre la criminalité transnationale organisée. Ça va également lui permettre de donner davantage de visibilité par rapport à des pays importateurs qui importent le cannabis à des usages pharmaceutiques, médicinaux, etc. Et donc finalement, je crois qu'au-delà du côté croissance économique, au-delà de l'aspect économie sociale, ça va permettre au Maroc de gagner en termes de visibilité internationale et être davantage en conformité avec les engagements qu'il a contractés à partir des conventions, entre autres que j'ai citées tout à l'heure. Et tout cela, bien évidemment, avec aujourd'hui cette grâce royale encore accordée par le souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Merci encore à vous, Zakaria Aboudarab. Je rappelle donc que vous êtes professeur en relations internationales.